In the cemetery, he created a memorial for those downed Americans. Mais il y est toujours. Hein? Yeah, he's still there. Bon. Le très grand plaisir que j'ai eu, c'est que les morts, les quatre morts, four dead, yeah. Ils avaient encore leur père et leur mère. Yeah. Hein? They usually had their moms and dads who were still alive at voilà. the time that they died. Et les parents, hein, c'est pour ça qu'ils ont été, toutes les familles ont été étonnées, parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Oh, wow. Ils ne savaient pas comment ils avaient été traités. Ils ont cru que les Allemands les avaient mis dans un trou comme ça, et qu'ils n'avaient pas été honorés. So the parents did not know what had happened to their kids, really. They thought that the Germans had just thrown the bodies in a hole and that they had no, you know, no, nobody honored them or anything. Et alors, ils ont appris qu'ils ont été honorés parce que je peux vous dire que les fleurs, qu'est-ce qu'il y avait? So when he's saying that there were a lot of people who were putting flowers on the kids' tombs. So the parents got to see that and to realize that the French people really were honoring these soldiers here. Mais les Allemands n'étaient pas contents du tout. Hein. The Germans hated it, of course. They were? The Germans hated it that there were all these flowers. Right. Est-ce que les gens qui amenaient les fleurs, ils le faisaient en cachette alors? En cachette? Yeah. La nuit. During the night. So they would go, oh, they go at night. Because the Germans, you don't want the Germans to see. So at night, in the morning, the Germans would see those flowers. Oui, oui. And, you know. En sautant par-dessus le mur du cimetière. Yeah, so they would jump over the wall of the cemetery, put the flowers and go. Et il y avait une, en particulier, une couronne. It was a beautiful fleurs. Crown, oui, yeah, flowers. Énorme. Enormous. Énorme. Enormous flower. Avec, un ruban tricolore avec marqué dessous un peu du cœur de la France aux quatre héros qui sont morts pour elle. So on the ribbon it said a little bit of the heart of France to the four heroes who died for her. Oui, 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 c'était beau. I have a message from Jan Ridling, your American sister. Tu as quelqu'un qui s'appelle Jan Ridling? Jan Ridling. 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 Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire là très bien. C'est pas très bien écrit. She sends her love. Jan Ridling. Ah, oh, mais oui. Oui, c'est l'historienne. Voilà. C'est l'historienne du groupe. Voilà, alors elle a su que Sarah allait venir vous voir, donc elle lui a demandé de vous envoyer son amitié. Formidable. Voilà. Ah oui, ah ben, je vais lui envoyer une lettre. Ah oui, Jean Ridling. Son adresse est dans une rue qui porte son nom. Oh, her address is in a street that bears her name. Really? Ça c'est drôle alors. Wow. Oui. Jean Ridling. Ridling Street. Ridling Street. Hein? Is it named for her? C'est le nom de la rue, c'est à cause d'elle ou c'est une coïncidence? Bon, je crois pas que ça soit une coïncidence. C'est peut-être parce qu'elle est là ou que sa famille également est là. Maybe her family is important or something. He doesn't. Oh, okay. Parce que he's gonna write to her. En Amérique, ça s'est déjà produit que j'ai eu des adresses avec le nom des identiques au nom des destinataires. Well, that's cool. C'est peut-être des personnalités, des personnes qui sont. Des personnes importantes ou de la famille, je pense. Ah oui, Jean Ridling. Voilà, oui, donc elle vous envoie son amitié. Ah oui, ben, ça me fait plaisir. Oui. Do you have email? Est-ce que vous avez. Est-ce que vous êtes un petit peu sur l'internet ou pas du tout? Non. Je ne sais pas me servir d'un ordinateur.
hold this on? Yeah. Do you want to be with him? No, just hold it on this side because the camera's over there. I just want to get my iPad and take some pictures. Get with him too. Okay. On va prendre une photo des deux, voilà. Finally, after how many years? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas revu son père? Well, bah, depuis qu'il est mort, 2-3 years? Que je n'ai pas revu. Son père. Ça fait combien de temps? Probably. Ça fait 40 ans. Oui, c'est ça, depuis qu'elle est née en fait. Ah oui, ça fait 40 ans. Voilà, d'accord. Et quel âge elle a? Elle a 50, you're 50. I'm 54. 54. Elle a 54 ans. Donc vous n'avez pas. Alors je ne sais pas si quand vous avez vu son père. Moi j'en ai 80. 80. 80. He's 80. Right, because you're the same, exact same age as my mother, who was also born in 1942. Yeah. That's même right. Âge que sa mère. C'est comme ça qu'elle se rappellera votre âge. Bah oui. Vous êtes grillé là. 10 years between my mom and my dad. Il y avait 10 ans entre sa mère et son père, donc en fait son père aurait eu 90 ans. He was born in 1922. Il était né en 1922, son père. And he died one day before his 80th birthday. Yeah. Et il est mort un jour avant ses 80 ans. Voilà. And that was how many years ago? It'll be 10 years in November. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans en novembre. Exciting night. Yeah. I was there. You were there. Elle dit qu'elle était là quand son père est mort. Elle était là quand son père est mort. Elle a pu l'accompagner. Ah oui, quel âge elle avait? Ben, elle devait avoir 44 ans puisque c'était il y a 10 ans. Alors là, je crois qu'elle veut prendre une photo tout simplement. Ah oui. Voilà, une photo tout simplement pour la postérité. Merci de nous avoir parlé, c'est vraiment merveilleux. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, vous voyez, on s'est raté quand elle a voulu venir à la maison. Oui. Il y a des travaux énormes dans notre immeuble. Les interphones ne marchent pas très bien. Quoi. On parle dedans. Oui. On n'entend pas. D'accord. Hein? C'est complètement coupé maintenant. Hein? Et ils sont en train de faire des travaux de peinture et des travaux d'électricité. Ils changent la colonne électrique. Oh là là. Voilà, on est bien, là, on est tranquille. Oui, c'est là, quelque chose d'énorme, hein, sincèrement. Ouais. Hein. Mais vous voyez, ça m'aurait fait plaisir qu'on se voit. Mais d'un autre côté, mon épouse est très fatiguée. Hein, et nous avons une fille handicapée à 80%. C'est très dur à vivre. Ça, c'est très très lourd, ça. C'est très dur à vivre. Elle a quel âge? Elle a 52 ans. Mais elle a 52 ans seulement. Ça lui est arrivé, elle avait 18 ans. Et ce qui s'est produit, c'est très simple. C'est qu'elle ne trouvait pas de travail. Alors, elle trouvait du travail pour 6 mois. C'est tout. Après, chômage. Il fallait recommencer. Alors, à un moment donné, elle s'est imaginée qu'elle était inutile. Et elle est partie. Elle a été vivre sur un banc. Elle a disparu pendant 2 mois. Quelle angoisse pour vous. À Paris. Hein. Et puis, alors, la police l'a ramassée. Et puis, il l'a mis à Sainte-Anne. Bon, alors, c'est irréversible. Irréversible, elle est retombée en enfance. Pas drôle. Donc elle agit comme une petite fille, en fait. C'est pas drôle. Je suis désolée, c'est vraiment dur la vie quelquefois.
C'est vraiment dur. He's saying that he has a daughter who's now 52, I think, 52. Hein, c'est ça. And when she was 18 years old, she couldn't find work. She could find work and then she'd get fired and da da da. She couldn't find work and she was unemployment a lot. And she finally felt like she was completely useless, so she ran away from home and lived in the streets for a couple of months. She got picked up by the police and they put her in an asylum for crazy people. And that, the shock of that made her go back into, backwards, like she's acting like a little girl. Elle se rend compte de ce qui lui arrive.